Messieurs, bonsoir mademoiselle, bienvenue dans l'émission rétrospective de la semaine. Moussa Diawara à la présentation. Un seul grand titre aujourd'hui, nous allons parler du Togo, exclusivement du Togo. Et aujourd'hui, nous avons vu la communauté togolaise ici à Minneapolis aller jusqu'au Capitole, comme ce qu'on appelle à l'Assemblée du Minneapolis de Saint-Paul, pour aller soumettre aux autorités, pour aller soumettre aux législateurs américains, comme quoi que la communauté togolaise, les citoyens togolais ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide pour un changement radical au Togo. Ils ont besoin d'aide pour un changement de régime au Togo, un régime qui est là il y a plus de 50 ans de cela. Et pour parler de tout ça aujourd'hui dans notre studio Tempo Afrique TV, nous avons des invités de marque. Nous avons M. Gerson qui est dans notre studio aussi aujourd'hui avec nous pour parler de ça. Bonsoir M. Gerson. M. Moussa, bonsoir. Merci beaucoup. Et nous avons aussi à côté de M. Gerson, Yves-Luc. Yves-Luc, bonsoir. Bonsoir, M. Moussa. Bienvenue dans cette émission rétrospective spéciale de la semaine. Dans notre studio B, nous avons M. Kwame Vi Atiso. Bonjour, bonsoir, M. Kwame Vi Atiso. Bonsoir, M. Diawara, et bonsoir à tous les téléspectateurs de Tempo Afrique TV. À côté de M. Kwame Vi Atiso, nous avons M. Sylvestre. Bonsoir, M. Sylvestre. Bonsoir, M. Moussa. Merci d'être là dans notre studio. Et à la fin, nous avons M. Wisdom qui est là aussi. Tout cela pour parler de la situation qui prévaut au Togo. Bonsoir, M. Wisdom. Bonsoir, M. Moussa. Merci, amis du Togo. Merci, la communauté togolaise, pour être sortie massivement aujourd'hui pour montrer votre mécontentement au gouvernement togolais, quand bien que nous sommes ici aux États-Unis. Ma première question, ça va aller sur M. Gerson. M. Gerson, quelle analyse faites-vous de la situation qui prévaut présentement au Togo? Merci pour m'avoir donné la parole. Au Togo, je dirais que c'est un cas unique, sinon africain, mais mondial aussi. Le Togo, si vous pouvez me voir, je suis un homme qui est âgé un peu plus de 50 ans. Et je vous dirais que je n'ai connu qu'un seul nom. Un seul nom, Nyasimbe au pouvoir, depuis ma naissance. Et non seulement si je connais un seul nom et je vis bien, cela me serait égal. Je m'en foutrais pas mal. Je connais non seulement un seul nom, mais ce nom a foutu mon pays. Je ne vaux rien à l'extérieur, je ne vaux rien à l'intérieur. Et c'est la misère. Là, c'est le ras le bol. On doit le clamer fort pour, n'est-ce pas, demander un changement pur et simple. Merci beaucoup, M. Gerson. C'est difficile d'entendre ce que vous venez de dire tout de suite, mais la réalité, nous devons le dire ici sur ce plateau et nous devons conscientiser les peuples togolais afin que cette lutte soit menée jusqu'au bout. Et de ce fait, M. Yves-Luc, que direz-vous, que pourrez-vous ajouter à ce que tout de suite M. Gerson vient de dire, qu'il n'a connu qu'un seul régime au Togo, un seul nom au Togo? Qu'est-ce que cela vous dit? Oui, effectivement, c'est un seul régime qui est au pouvoir au Togo et depuis 50 ans. Et le Togo est un pays très bien, un pays qui serait le pays le plus enviable d'Afrique si cette famille ne s'est pas accrochée au pouvoir au Togo depuis 1967. Et le premier président de ce pays allait faire du Togo et ce que, entre-temps, on appelait la Suisse de l'Afrique. Et cela devait être une réalité réelle. Malheureusement, et Nyasimbe Eyadema est intervenu dans le jeu politique togolais sans être un politicien, sans jamais avoir fait des études. Et s'appuyant sur l'armée, il s'est imposé au peuple togolais et c'est le gouffre. C'est le gouffre. Merci beaucoup, M. Yves-Luc. Nous allons partir dans notre studio B où il y a M. Kwame Vi Atiso et il y a aussi M. Sylvestre et M. Wisdom. Pour rentrer dans le vif du sujet, M. Kwame Vi Atiso, nous avons vu beaucoup dans ces deux semaines passées, sinon dans ces trois semaines passées. Nous avons vu un gouvernement qui a osé tirer sur les citoyens du peuple. Nous avons vu un peuple farouche qui est déterminé à aller jusqu'au bout. Que pouvez-vous nous dire de cette situation qui s'est passé au Togo dans ces deux semaines passées où le gouvernement a osé tirer sur la population civile à main nue?
Merci, Monsieur Diawara. C'est une situation qui préoccupe non seulement les Togolais, mais tout le monde entier. Aujourd'hui, quand on voit que la population togolaise qui croupit sous la tyrannie, je dirais, d'une seule famille depuis 50 ans, et que, entre-temps, l'opposition togolaise qui n'assumait pas son devoir, et que le Togolais lambda aujourd'hui n'a plus confiance en cette opposition en tant que telle, et que le Togolais lambda cherchait un nouveau sang pour animer la scène politique du Togo. Alors, le sauveur qui vient d'arriver, c'est M. Achadam Tchikpi, qui n'est pas tellement un nouveau sur la scène politique togolaise, mais qui représente aujourd'hui l'espoir des Togolais. Quand il a fait l'appel, tout le pays s'est levé comme un seul homme. C'était le 19 août dernier. Et on a vu ce qui s'est passé et avec des tiraillements. Et le pouvoir en place qui utilisait les méthodes mercantiles pour réprimer les marches a toujours, comme d'habitude, l'utilisé le 19. Donc, c'est ce qui a fait que l'opposition s'est retirée et a organisé encore, programmé encore une autre marche. Ça devait être lieu les mercredis 29 et 31. Et donc, le pouvoir en place qui a aussi vu l'impact de la marche du 19, s'est fait dire qu'il va organiser une marche le même jour. Donc l'opposition a vu, l'opposition ne voulait pas tomber dans le jeu. Donc l'opposition a annulé ces deux jours et l'opposition vient d'organiser encore une autre marche. C'était les 6 et 7 et septembre. Donc, Lomé, seul le 7 a connu plus d'un million d'hommes. Et le 7, d'après les médias, c'était plus de 3 millions qui se sont déchaînés sur Lomé seul. Et sans parler de l'intérieur du pays. Et cette fois-ci, le pouvoir avait joué le jeu de ne pas intervenir, mais la population qui persiste à passer la nuit sur la place publique, donc c'est dans la nuit que la chasse à l'homme a commencé le 7 avec des gaz lacrymogènes, des chasses à l'homme de maison en maison. Parlons de cette chasse à l'homme. Pendant qu'on parle de cette chasse à l'homme, nous avons vu pendant ces marches-là aussi, bien avant la marche de l'opposition, nous avons vu la marche du parti au pouvoir, où il y avait des groupes d'individus qui étaient sortis pour supporter les partis au pouvoir. Monsieur Sylvestre, que pourrez-vous nous dire de cette chasse à l'homme qui est organisée par le pouvoir en place, qui se dit démocratique, un pouvoir démocratique qui ne permet pas les marches pour montrer le mécontentement des citoyens, un pouvoir qui est capable d'attendre la nuit pour aller frapper de porte en porte. Est-ce que nous pouvions dire que le Togo est aujourd'hui démocratique? Vu toutes ces pratiques, je pense que cette question, on ne va même pas chercher à loin à répondre à cette question. Parce que dire que le Togo, c'est un pays démocratique, moi je dis non. Parce que depuis longtemps, et même avant que Faure Gnassingbé ne vienne au pouvoir, c'était un coup de force. Donc il était venu au pouvoir par un coup de force. Et puis dire que c'est la démocratie, ça, non, je ne pense pas. Même s'ils sont là pour clamer fort qu'ils ont la démocratie, c'est une manière de dire au monde entier que bon, ceci va bien, ça va bien. Non, ce n'est pas vrai. Il était venu, il a marché dans le sang avant de venir au pouvoir. Et ça fait pratiquement 11 ans qu'il est là. Et dans son arrivée au pouvoir, à son arrivée au pouvoir jusqu'alors, des vies humaines sont perdues comme ça. Donc, dire que le Togo est un pays démocratique, c'est seulement on le dit. Si c'est un pays démocratique, comment se fait-il que l'Internet est coupé et on ne donne même pas l'accès aux gens de parler? Je ne pense pas que la démocratie veut dire freedom.
Merci beaucoup, M. Sylvestre. M. Wisdom, pendant que vous étiez en train d'écouter tous ces intervenants sur cette situation au Togo, nous savons toujours que la jeunesse consciente togolaise est déterminée jusqu'à bout, à aller jusqu'au bout. Que doit faire la jeunesse togolaise pour continuer de mettre la pression sur ce régime afin qu'il puisse... parce que la question, à ce que nous comprenions, ce n'est plus... le fait de changer cette constitution, de revenir à la constitution de 1992, le débat du fond présentement à ce que nous constatons, c'est le régime de s'en aller une bonne fois pour toutes. Donc, que doit faire la jeunesse consciente togolaise? Que doit faire les amis du Togo pour continuer de mettre la pression sur ce régime afin que le régime puisse abdiquer à la demande du peuple? Oui, ça, c'est une bonne question. Et je crois que on dit souvent que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. La population doit continuer à se mobiliser, à marcher s'il le faut jusqu'à la présidence. Il va arriver à un moment où, même en marchant, si on tire sur eux, on tire sur nous, on doit continuer à marcher. Parce que on sait que le Togolais est patient, le Togolais n'est pas violent et le système commence par abuser de nos patiences. Donc, je vais dire à tous les Togolais de ne pas se décourager et de continuer pas à se mobiliser pour qu'on aille jusqu'au bout. On ne doit plus changer de fusil de pôle, on ne doit plus changer de propos. On veut que Faure quitte, on veut qu'il quitte le pouvoir. On sait qu'il est rusé. Il joue avec le temps. On ne doit plus lui laisser le temps de nous tourner en rond. Donc, mobilisons-nous et allons de l'avant. Merci beaucoup, M. Wisdom. Nous savons que la Constitution du Togo ne donne pas un mandat déterminé au président de la République, parce que nous savons très bien que Faure a déjà fait 10 ans au pouvoir. Et doit-on commencer par changer cette Constitution d'abord avant de pouvoir parler, de faire partir M. Faure et de penser à des élections législatives libres et transparentes. M. Gergeon, que direz-vous de cette situation de mandat de la constitution togolaise qui ne définit pas exactement le nombre de mandatures qu'un président doit faire? Parce que depuis le décès du père jusqu'à de nos jours, c'est le fils qui est toujours à la tête du pouvoir. Et nous comprenons qu'il avait 10 ans déjà au pouvoir et qu'il ne s'entend pas s'arrêter là. Que doit-on faire? Que doit faire le peuple togolais? Que doit faire les législateurs togolaises pour pouvoir changer cette constitution? Merci, M. Diawara Moussa. Tout Togolais est pris de paix et de justice. Pour tout Togolais est pris de paix et de justice, cette question est sans ambiguïté et la réponse est claire. Nous sommes dans un régime où la loi ne passe pas, où on ne comprend pas ce qu'on appelle négociation. On ne les respecte pas. La constitution de 1992 que le peuple s'est donnée avec un taux de participation dépassant les 95%, c'est la constitution qui est une constitution qui nous amènera à un État vraiment démocratique. Cette constitution a été toiletté pendant quelques heures seulement, une nuit. Et ils savent bien cela. Et pour régler le problème, comme vous le disiez, Togolais, et revenir à la démocratie, c'est notre constitution qui doit revenir. Et là, il y a la limitation des mandats et il y a les prérogatives pour arrêter chaque pouvoir. On a le législatif, le judiciaire, l'exécutif. Aujourd'hui, tous ceux qui sont législateurs là-bas ne sont que des marchepieds. Ce sont des gens qui ne votent que oui pour plaire à un monsieur, pour plaire à un clan. On n'a pas un parlement, je dirais. On n'a pas un parlement. Tous ceux qui sont là-bas, ils ne comprennent même pas. Il y en a qui ne connaissent pas ce que notre constitution contient. Même cette constitution-là qui a été à leur faveur, vous appellerez un parlementaire togolais, vous lui posez la question, surtout les parlementaires unis, MPT, ils ne peuvent pas vous donner clairement ce que notre constitution contient. Il y a seulement une poignée de personnes qui les dirigent. C'est tout. Le cas togolais sera réglé par
le retour de notre constitution de 92. Et c'est là où on verra tout. Cette constitution arrive, le problème est réglé. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gerson. Monsieur Yves-Luc, nous avons vu cette épidémie des réformes constitutionnelles partout en Afrique de l'Ouest. Nous l'avons vu au Mali, nous avons vu ça en Côte d'Ivoire, nous avons vu ça au Burkina Faso, qui est pays voisin. Maintenant, le tour, c'est le Togo. Et le Togo a vraiment besoin des réformes constitutionnelles. Le Togo a vraiment besoin de bien définir les mandats du président. Et si, malgré toute cette manifestation qui se passe dans la rue, malgré toute cette tuerie, malgré toutes ces arrestations arbitraires, que les pouvoirs toujours veulent continuer à négocier avec le peuple, que doit faire le peuple togolais dans ce cas? Après avoir abusé de toutes les négociations, de toutes les voies possibles pour éviter la violence est déjà là. Parce que nous avons vu des morts la semaine passée. Nous avons vu des arrestations arbitraires. Donc, que doit faire, continuer de faire les citoyens lambda togolais pour continuer d'avoir gain de cause? Oui, merci. Et d'abord, et je vais souligner un point très important. Et il y a le retour à la constitution de 1992 et votée par presque l'ensemble du peuple togolais. Comme vient de le dire notre grand frère Gerson, et à 95% de participation. Il faut retourner à cette condition. Mais il y a un problème. Il faut assortir ça d'une condition. À condition qu'il y ait un effet rétroactif. Que ça agisse sur le président Faure. Et c'est ça que le président Faure ne veut pas. Ainsi que ses partisans. Ses partisans irréductibles. Qui ne comprennent rien au droit. Qui ne comprennent rien à la réalité démocratique. Ça, c'est un. Bon, parce qu'ils veulent tout simplement, eux, ils veulent que ce soit toujours fort qui soit là, et s'ils peuvent revenir à la constitution de 1992, tout en maintenant fort, ils vont chercher par tous les moyens, avec l'aide de quelqu'un qui a la présidence, qu'on appelle, c'est un Français qui s'appelle Debache, c'est lui qui les aide à tripatouiller. Et qui est d'ailleurs sous mandat d'arrêt. Oui. Oui, c'est ça. Alors là, lui, c'est lui qui est un peu le cerveau même du gouvernement Faure. Bon, voilà. Et maintenant, on est en pleine action pour revenir à cette constitution avec effet rétroactif. Si, malgré tout ce qu'on fait, si toutes les voies de recours sont épuisées, là, il faudra adopter certains comportements. Lesquels? Par exemple, d'abord et avant tout, demander à la France d'afficher clairement sa position. Parce que c'est la France qui a toujours soutenu ce gouvernement. S'il n'y avait pas la France dans le jeu togolais, ça fait longtemps qu'on en aurait fini. Pourquoi? Parce qu'ils ont leurs intérêts qu'ils défendent et ils savent que c'est un gouvernement, un chef d'État ignorant qu'ils ont mis là et qu'ils téléguident telle une marionnette. Eh bien, là, il agit toujours en leur faveur. Deuxièmement, lorsque le fils a remplacé le père, et il y a eu Sarkozy qui est arrivé au pouvoir en France, qui s'était montré un peu dur dans un premier temps, mais lorsqu'il y a eu des négociations pour accorder à la France, par le biais de Vincent Bolloré, des marchés, de gros marchés à Lomé, c'est fini, et motus bouche cousue. Ils ont continué de supporter ce gouvernement fantoche. Alors, et enfin, si malgré tout ce qu'on fait, le jeune Macron qui est maintenant au pouvoir en France, peut-être qu'il a l'intention de faire quelque chose, mais les intérêts de son pays peuvent le pousser à maintenir l'action suicidaire de la France sur le Togo. Alors, dans ce cas, il n'y aura plus d'autre alternative que de recourir à des solutions fortes, vraiment féroces, très farouche, pour balayer ce régime et tous ceux qui le soutiennent. Merci beaucoup. Dans ton exposé, j'ai entendu quelques noms. Vincent Bolloré, nous avons souligné. Nous savons très bien que Vincent Bolloré est beaucoup investi en Afrique de l'Ouest, pas seulement au Togo. Vincent Bolloré, son nom en Côte d'Ivoire. Vincent Bolloré, son nom au Sénégal. Vincent Bolloré partout. Monsieur Komévi Atiso, vous venez tout de suite de dire que un membre, un Français qui travaille dans la présidence, qui est à la présidence togolaise, est poursuivi.
Que pouvez-vous nous dire davantage sur cette situation de poursuite de cet individu que l'opinion nationale et internationale doit comprendre? Et il s'agit bien de Charles Debbaje, qui est un grand constitutionnaliste. C'est lui qui a aidé Eyade Magnasimbe en 2002 à tripatuer la constitution. C'est lui qui, le 5 février 2005, a fait des magies de quelques heures pour faire venir Faure, qui était un simple ministre, de devenir président de l'Assemblée. Et par là, et le président est intérimaire. Donc, c'est un constitutionnaliste, c'est un Français qui est sous mandat d'arrêt dans son propre pays, la France. Donc, la France est aujourd'hui en train de chercher Charles Debbaje. Quant à ce qui concerne Bolloré, l'ancien président français, le socialiste qui vient de partir, quand il était arrivé, il nous a fait de beaux discours qu'il va faire sauter le régime dictatorial en Afrique. Alors que quand l'intérêt de son ami, c'est un ami je ne sais pas pourquoi son nom m'échappe, l'ami personnel du président français qui est Bolloré, son intérêt est en jeu. Donc le président français avait fermé les yeux sur comment Faure a encore gagné les élections en 2010 avec des résultats déchirés devant la télévision nationale que le monde entier a pu voir. Donc c'est ça le problème du Togo. Et vous parlez de quels moyens. Aujourd'hui, la population n'est pas armée. Le seul moyen, c'est de se soulever contre ce parti. Des gens disent que, même au Burkina, ce n'est pas le soulèvement qui a fait partie Blaise Compaoré. Mais imaginons une minute, si, quand Blaise Compaoré tentait à changer la constitution, si le peuple burkinabé ne s'est pas soulevé, s'il n'y a personne dans la rue, les gens qui disent que le soulèvement n'a rien fait, donc vous pensez que si il n'y a personne dans la rue, Blaise Compaoré allait quitter, donc le soulèvement compte beaucoup. Et à l'heure actuelle, les données sont changées. Avant, si vous faites quelque chose, c'est rester là. Maintenant, il y a WhatsApp, il y a Facebook, YouTube. Il y a YouTube qui fait que l'information, en une poignée de secondes, atteint là où vous ne savez même pas que l'information allait atteindre. Et aussi, la seule différence qu'il y a aujourd'hui entre le pouvoir togolais et la Corée du Nord, c'est que le pouvoir togolais ne menace pas par des armes nucléaires. C'est la seule différence. Sinon, pratiquement, c'est la même chose. De père en fils, avec assassinat de son demi-frère et emprisonnement des demi-frères. Donc, c'est pratiquement la même chose. Nous pouvons aujourd'hui comparer le Togo point à point à la Corée du Nord, que tout le monde voulait voir le régime quitter. Donc, en même temps, je lance un appel à tous les dirigeants de ce monde qui veulent que le président nord-coréen quitte le pouvoir, de voir aussi une similitude entre la Corée du Nord et le Togo. Merci, M. Diawara. Merci beaucoup, M. Kwame Atiso. Merci beaucoup. M. Sylvestre, avec tout ce qui se passe présentement au Togo, et c'est quelque chose déjà que nous pouvons qualifier du déjà vu, si nous pouvons le dire. Nous avons vu ce changement constitutionnel qui a fait autant de marches au Mali. Nous avons vu ce changement constitutionnel qui a fait des bruits au Sénégal dans le passé, partout dans le passé. Mais nous voyons un exemple. Est-ce que nous pouvons dire qu'il y a une lueur d'espoir? Parce que nous avons vu des élections qui se sont faites, qui ont été faites au Kenya tout récemment, où nous avons vu la proclamation du président Kenyatta comme élu président du Kenya, mais après avoir été validé par la communauté internationale, les observateurs de la communauté internationale, qu'ils étaient là, mais nous avons vu la Cour constitutionnelle invalider les résultats et nous attendons à une nouvelle élection préparée par les Kenyans. Est-ce que nous pouvons dire qu'avec, ça peut être le cas togolais, il y a l'espoir au Togo de voir, ou bien il y a l'espoir en Afrique de l'Ouest de voir de telles pratiques?
pour la démocratie, pour rehausser la démocratie en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup, M. Moussa. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que le Togo a commencé cette lutte il y a longtemps, depuis 90. Et jusqu'alors, on n'a même pas, un virgule. Et ça n'existe même pas nulle part. Et puis, en Afrique de l'Ouest, le Togo a été considéré comme un bon pays, un exemple, un pays d'exemple. Mais c'était, cet exemple était dans l'ombre parce que c'est une minorité qui gouverne le pays. Et cette minorité a été couverte par les forces de l'ordre. Et maintenant, ces forces de l'ordre ont été appuyées par une petite minorité aussi qui gouverne le pays. Ce qui fait que ces petites minorités forment un parti qui est au pouvoir. Ce parti-ci, vous allez le voir qu'ils ont fait une manifestation l'autre fois et que et quand vous rentrez dans les administrations, les administrations sont fermées. Parce que c'est un pays qui est contrôlé par quelques petits hommes. Et même le président Faure lui-même, il a dit que je sais que le pays est gouverné, le pays est contrôlé par une minorité. Mais comment maintenant fait partie cette minorité? C'est là le problème. Et pour revenir à ce que nous ayons, par exemple, une victoire, une démocratie en Afrique du Sud, il faudrait que ces minorités soient enlevées. Il faudrait que, surtout, il faudrait que notre armée soit républicaine. C'est là le problème. Et vous allez voir maintenant que l'armée est contre la population, je peux dire. Mais ce n'est pas qu'ils sont contre, mais ils sont obligés. Ils sont obligés de s'opposer à ce que la population réclame. Alors, pour avoir cette démocratie que nous voulons en Afrique, et surtout, comme notre pays avait commencé, depuis très longtemps, notre pays avait commencé, on dirait que notre pays était l'exemple des autres, mais jusqu'alors, nous, on est toujours derrière, Alors, on est toujours, mais comme le disait même le président Yadema, vous allez reculer 100 ans, vraiment. Ce qu'il a dit, on dirait qu'il a dit quelque chose, on a reculé vraiment 100 ans en arrière. Alors, pour éviter, pour que ces Français, 100 ans en arrière, si ça existe, il faudrait, pour que nous évitons cela, alors, il faudrait qu'on fasse partie de cette minorité. Alors, on aura une démocratie. Je pense bien qu'il y aura une démocratie bientôt. Et la lutte continue. Et je ne pense pas que nous n'allons pas baisser les bras et nous allons arracher notre victoire bientôt. Merci beaucoup. Monsieur Wisdom, nous avons entendu monsieur Komevi Atiso parler d'un homme d'espoir, qui a pu mobiliser tout ce monde pour descendre dans la rue, pour protester. Que pouvez-vous nous dire sur cet homme? Parce que nous avons vu beaucoup d'hommes politiques au Togo, mais entendre de la bouche de Komevi un homme qui a pu mobiliser ou bien qui a pesé de tout son poids pour mobiliser la population à descendre dans la rue et à réclamer ce qui est des droits. Que pouvez-vous nous dire davantage sur cet homme? Est-ce que nous pouvons dire que cet homme nous pourrions avoir beaucoup d'autres hommes comme lui encore en addition de lui pour pouvoir continuer cette lutte, pour continuer de tirer cette locomotive qui va jusqu'à la victoire finale? Je vais dire oui. Et la méthode que cet homme a utilisée est un peu différente de ce que nous voyons sur le terrain. Il a fait un travail à la base, sensibiliser les gens. Il ne parle pas de lui, même il ne dit pas qu'il serait le président. Quand il a commencé, il a vu que les choses ne commencent pas à marcher. Il a fait appel à tous les leaders. Donc, il ne se met pas à l'écart pour dire que je suis le leader ou bien le leader charismatique. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, quand on a fait la marche, on n'a pas dit que celui-ci est de cette partie et ce parti et celui-là est de l'autre partie. Donc déjà, on est en train de copier ce qu'il est à enseigner ou bien on suit son pas. Déjà, on va dire que ça commence à produire des résultats. Je pense que maintenant, les anciens leaders vont se réveiller et vont se mettre au pas, vont se mettre derrière lui pour que les choses évoluent dans les normes. Merci. Et j'ai de l'espoir que cette fois-ci, ce serait différent de ce qu'on se faisait avant.
Merci beaucoup. Et puis aussi, pour appuyer ce que M. Wisdom vient de dire, oui. Et cet homme a associé la diaspora. Vous n'êtes pas sans savoir que ce que la diaspora togolaise envoie au pays comme financement, aide aux familles, dépasse plus de 10 fois les dons de FMI. Donc, cet homme a su associer la diaspora et la diaspora aussi a fait un travail de fond pour exiger l'unité des leaders de l'opposition. Donc, c'est pourquoi cet homme a aujourd'hui derrière lui toute l'opposition qui le supporte et qui appelle la population, non pas des partisans, mais toute la population à descendre dans la rue pour soutenir l'idée de la démission de Faure. Ok, merci. Je pense que nous avons quelqu'un en ligne. Ok, je pensais que nous avons quelqu'un en ligne qui voulait intervenir dans notre émission. Puisque nous parlons de diaspora, nous allons parler de la marche, nous allons revenir sur la marche d'aujourd'hui. Que pouvez-vous nous dire sur cette marche? Nous savons qu'il y a une très forte communauté togolaise ici à Minnesota, à Minneapolis beaucoup plus précisément. Et nous étions vraiment surpris d'avoir cette impressionnante communauté togolaise, accompagnée par d'autres communautés, bien sûr, parce que nous avons aussi vu des Sénégalais, nous avons vu des Burkinabés qui étaient venus pour soutenir la communauté togolaise. Que pouvez-vous nous dire sur l'organisation de cette marche pour aller au State Capitol et de parler aux législateurs et de montrer au monde entier, afin que le monde entier puisse savoir de ce qui se passe présentement au Togo? Monsieur Gergeon, vous voulez dire quelque chose là-dessus? Bien sûr. D'abord, je dirais coup de chapeau aux organisateurs qui sont ici, Monsieur Sylvestre Kwamivi, Jean-Luc, moi je n'en fais pas partie, mais je dirais coup de chapeau, ils ont fait un travail gigantesque. Et c'est impressionnant qu'ils ont pu mobiliser tant de Togolais. Et les Togolais, bien sûr, après s'être tués, je dirais, ils ne se sont pas tués, mais après s'être tués pendant longtemps, ont compris, comme quelqu'un le disait auparavant, qu'il y a un éveil de conscience. Les Togolais ne peuvent plus supporter ce qui se passe sur notre territoire au Togo. Alors, à cet appel, ils ne peuvent que répondre pour crier encore leur ras-le-bol pour que ce régime qui a tant fait du mal s'en aille. Merci, merci beaucoup. Et monsieur Yves-Luc, que pouvez-vous ajouter à cela? Nous avons vu une communauté togolaise aujourd'hui bien motivée et bien organisée d'ailleurs pour aller jusqu'au State Capitol. Et c'est quelque chose, c'est lié place pour saluer encore la communauté togolaise de Minnesota, mais aussi pour saluer la communauté togolaise de toutes les États-Unis, parce que nous comprenons par là que cette marche ici aujourd'hui à Minneapolis, dans le Minnesota, il y avait aussi d'autres États des États-Unis où il y avait ce même genre de marche, où les gens ont marché pour aller au State Capitol, pour aller montrer leur désapprobation de ce qui se passe au Togo. Que pouvez-vous ajouter à ce que M. Gershon vient de dire sur cette marche organisée aujourd'hui par la communauté togolaise? Oui, merci. Et je vais appuyer ce que notre frère Gershon a dit, et en félicitant ceux qui ont été les initiateurs de cette manifestation. Ils ont réussi à rassembler beaucoup de gens à travers la création d'un groupe WhatsApp et le réseau social le plus fort après Facebook actuellement. Et c'est comme ça que les contacts ont été interpris très rapidement. Mais il faut dire aussi que le délai a été un peu court et n'a pas pu rassembler tous les Minnesotans. Si le délai avait été beaucoup plus long, et le State Capitol n'aurait pas contenu tous les résidents togolais de Minneapolis et de Saint-Paul. Wow. Et je suis sûr que lors de la manifestation prochaine, certainement pour fêter la victoire du peuple togolais contre la dictature, contre la forfaiture, nous verrons le grand nombre qu'il y aura. Et le monde entier sera étonné qu'il y ait un tel nombre de Togolais dans le Minnesota. Bon, de même, et moi personnellement, je veux féliciter tous ceux qui ont pu faire le déplacement aujourd'hui. Ça a été vraiment impressionnant, comme vous l'avez dit. Des gens ont même demandé une permission à leur boulot
pour s'absenter. Depuis deux semaines, ils ont demandé une permission. Ils savent qu'il vaut mieux perdre l'argent d'aujourd'hui pour sauver son pays. Le pays est le plus cher. Elle est ce qui est plus cher pour nous aujourd'hui. Alors, je les félicite. Je félicite tous ceux-là qui se sont engagés. Si vous permettez-moi juste une minute et pour ajouter quelque chose concernant toujours la situation au Togo. Togo, oui. Il y a une chose que nous avions l'habitude d'observer et que l'arrivée de M. Tikpi Achadam a commencé par éradiquer. C'est le démembrement de l'opposition. Chacun s'enfermait dans son ego et veut être au premier plan. Et même à un moment donné, la population avait commencé par soupçonner certains leaders de l'opposition d'être de mèche en réalité avec le gouvernement en secret. Ils sont avec le gouvernement la nuit et le jour, ils s'affichent avec les militants, oui, l'opposition. Mais avec l'arrivée subite sur la scène de M. Tikpi Achadam, les données ont commencé par changer. Et nous avons vu une opposition unie. C'est très fort. Et c'est ce qui s'est passé dans d'autres pays. Prenons le cas du Bénin, par exemple. L'opposition s'unit toujours pour chasser celui qui est un dictateur, celui qui veut s'imposer au peuple. Et après qu'il l'ait chassé, bon, ils règlent les comptes entre eux. Et après être assurés qu'il y a maintenant un état de droit. Je crois que c'est vers ça que nous sommes en train d'évoluer maintenant au Togo. Et je suis sûr, et tout comme nous tous, nous sommes sûrs, que la victoire du peuple, ce n'est plus loin. Et nous n'allons pas oublier de citer ici un nom. Il y a des activistes qui agissent pour éveiller la population. Et parmi ceux-là, nous aimerions bien tirer un coup de chapeau à une sœur à nous, à une fille, bon, à une femme, puisqu'elle s'est mariée légalement. Eh bien, elle s'appelle Farida Naburema. Elle est épouse à Koyeta. Eh bien, celle-là, elle a tout abandonné ici aux États-Unis pour rentrer en Afrique, être sur le terrain pour mobiliser la population. Et elle utilise tous les réseaux sociaux qui peuvent être sous sa main. Et nous allons lui tirer chapeau. Et ce n'est pas facile. Il est vrai, elle a souvent un langage dur, un langage qui est souvent traité d'impoli, etc., à cause des mots qu'elle utilise, puisque c'est un ras-le-bol. Et qu'elle affiche, eh bien, et il est vrai, il y a certaines choses qui sont inexcusables à l'entendre parler, mais je crois que dans la situation actuelle, il vaut mieux aller au-delà de ça et voir le but vers lequel elle tend, au lieu de nous attarder sur les mots qu'elle dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Farida, je pense que j'ai eu l'occasion de la rencontrer et je sais qu'elle est une activiste, elle est très dévouée pour la cause du Togo. Et monsieur Sylvestre, entendu tout ce qui a été dit sur la marche qui a été organisée aujourd'hui par la communauté togolaise, où va la communauté togolaise à partir d'ici? Parce que la communauté togolaise est loin du Togo, mais la communauté togolaise, au vrai sens du mot, est proche, est de cœur avec le peuple togolais. Que peut faire la communauté togolaise pour appuyer ceux qui sont sur le terrain pour que la lutte puisse continuer? Merci, M. Moussa. Je vais tout d'abord dire que, comme vous venez de le dire, que bien sûr que la communauté togolaise ici à Minnesota est loin de leurs compatriotes au pays, au Togo. Mais nous sommes de cœur avec eux parce que l'organisation a été subite. Nous nous sommes concertés et puis nous allons dire, mais il faudrait qu'on soutienne ceux qui sont au pays. Et ils ont répondu. Et vous allez voir la foule aujourd'hui que vraiment, des gens sont fatigués et ils veulent vraiment un changement pour leur pays. Et je pense que, une fois encore, merci pour ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui ont participé. Mais l'organisation a été subite et que ça démontre que les gens sont fatigués. Et ils veulent vraiment un changement. Merci, M. Moussa. Merci beaucoup, M. Sylvestre. M. Kwamevi, nous avons aussi vu aujourd'hui, à la marche d'aujourd'hui, où les réseaux sociaux vont prendre une très grande part dans cette lutte. La lutte, maintenant, est beaucoup plus rapprochée, quand bien qu'on n'est pas sur la terre natale. Avant, on n'avait pas accès à ces Facebook. Avant, on n'avait pas accès à WhatsApp.
à Viber, à Imo, à tous ces réseaux sociaux qu'on peut utiliser comme des armes fatales aujourd'hui. Nous avons vu aujourd'hui à la marche d'aujourd'hui, demandant la communauté à joindre ce groupe de WhatsApp. Pouvez-vous passer ce numéro pour la communauté togolaise et la communauté du monde entier, mais aussi quel est le but d'avoir invité la communauté togolaise à joindre ce groupe WhatsApp? Quel est le but, au fait? Est-ce le but est de pouvoir mobiliser financièrement ou bien est-ce que le but est de pouvoir communiquer facilement? Quels sont les buts de la création de ce groupe WhatsApp et quel est le numéro auquel les gens peuvent appeler pour y joindre ce groupe WhatsApp? Merci, M. Diawara. Comme l'a dit mes prédécesseurs, et la marche d'aujourd'hui n'a pas été organisée. C'était une spontanéité. Je l'ai dit. Et c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu mobiliser. Moi-même, je ne croyais même pas que les Togolais seront là comme ça. Mais ça a été une grande surprise pour moi. Donc, nous donnons ce numéro. C'est un numéro un groupe WhatsApp que nous avons créé pour mobiliser plus de Togolais dans l'avenir. Donc, nous donnons ce numéro aujourd'hui, c'est pour que tous les Togolais adhèrent à ce groupe WhatsApp, non pas seulement les Togolais, mais tous les amis du Togo, tous les pays africains adhèrent à ce groupe WhatsApp pour que dans le futur proche, bien sûr, nous pouvons sortir plus qu'aujourd'hui. Donc ce numéro, c'est le 612-229-79-53. Le 612-229-79-53. Pour adhérer à ce groupe WhatsApp, envoyez seulement un simple SMS, ajoute-moi, add-moi, et puis ce serait vite fait en seconde. Donc j'invite toute la communauté africaine, et non seulement de Minnesota, de toute la diaspora en Europe, et au Canada, au Brésil, Mexique, Chine, d'adhérer à ce groupe WhatsApp pour que nous puissions échanger. C'est aussi un moyen d'échange. Et je vous parie que la marche qu'on a fait aujourd'hui, les autorités ont déjà eu les vidéos qui vont encore les assommer. Donc, grâce à ce groupe WhatsApp, et on en a d'autres groupes WhatsApp, bien sûr, nous essayons de nous communiquer et de faire passer le message très rapidement pour que tout Togolais, tout le monde entier, soit mis au courant de ce qui se passe aujourd'hui au Togo. Merci beaucoup. Encore, nous allons rappeler ce numéro qui est le 612, le 229, le 79 et le 53 pour joindre le groupe WhatsApp et pour une mobilisation, pour l'information. Toute la communauté togolaise, tous les amis du Togo sont appelés à joindre ce groupe WhatsApp en appelant tout simplement au 612 encore 229 79 53. Et nous allons vous ajouter, la commission d'organisation de la marche d'aujourd'hui vont vous ajouter dans ce groupe et chaque information qui doit être passée, vous l'aurez instantanément avec toutes les autres pour pouvoir continuer de joindre cette lutte et une lutte qui est une lutte noble, qui est une lutte qui va jusqu'au bout pour un changement radical au Togo. Et en parlant de ce même changement radical au Togo, je vais revenir encore dans notre studio B pour parler à mon frère, M. Wisdom. M. Wisdom, au vu et aussi de tout cela, et tout ce qui se passe au Togo, de cette marche organisée ici, à Minneapolis, dans le but d'aider ceux qui sont au Togo, que pouvez-vous nous dire sur le plan financier? Qu'est-ce que les organisateurs de cette marche peuvent faire financièrement pour aider afin que cette lutte puisse continuer? Parce que la lutte seulement, ce n'est pas marcher. La lutte demande beaucoup plus que cela. Il faut aider financièrement, il faut aider émotionnellement. Que pensez-vous que la communauté africaine, la communauté togolaise ici à Minneapolis, aux États-Unis, doit faire pour que cette lutte puisse continuer jusqu'au bout? Merci, M. Moussa. Je crois que... D'abord, je vais féliciter les organisateurs parce que ce n'est pas facile d'organiser ce genre de choses.
Je sais qu'ils ont déjà une idée sur comment ils vont mobiliser les fonds, mais je vais leur dire de lancer l'appel beaucoup plus à tout le monde. Même si c'est 10 dollars, 15 dollars, il faut que les gens mettent la main dans la poche pour qu'on soutienne ceux qui sont sur le terrain. Nous voyons les gens qui sont blessés et dans la rue, les militaires ont tapé, sont rentrés dans la maison, tabasser les gens sont blessés. Nous savons tous ce qui se passe au Togo et nous savons dans quelles conditions on vit au Togo. Même si c'est 20 dollars qu'on donne à une famille pour aider celui qui est blessé, c'est déjà un plus. Donc, il faut que l'organisation mobilise tout le monde pour qu'on mette la main dans la poche. Et je sais que les gens vont le faire parce que tout le monde est maintenant déterminé à en finir avec ce régime tyran. Donc, je vous encourage, les organisateurs, à nous mobiliser, à nous rappeler de temps en temps de mettre la main dans la poche pour que ça puisse faire écho au pays. Merci beaucoup. Ça, je voudrais revenir un peu sur la question de finances. Oui. Et je vais nous dire que nous sommes en relation avec une communauté, l'autre communauté de d'ici. Oui, oui. Et le plan est que il y a des gens qui sont sur le terrain et qui aident déjà des blessés. Et même, vous allez voir dans la marche au Togo l'autre fois, il y a un groupe qui portait un tricot noir, où on a écrit « Compatriotes mm-hmm. ». Ils nous ont vraiment porté à port et en ce qui concerne la finance. Maintenant, ce que nous demandons, c'est par ce WhatsApp, nous voulons rassembler tout le monde, toute l'Afrique, à ce que nous puissions instaurer non seulement au Togo, mais toute l'Afrique, une démocratie. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique est, je suis désolé de le dire, mais l'Afrique, ça ne va pas. L'Afrique ne va pas, ça ne va pas en Afrique, et surtout au Togo, et puis des gens voient l'exemple du Togo. Tous les exemples qui se passent en Afrique, des coups d'État, c'est toujours ça. Toutes ces choses ont commencé au Togo. Donc, nous voulons par ce WhatsApp et nous mettre en communication parce que ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est l'affaire de toute l'Afrique et c'est l'affaire des Togolais à ce que nous puissions et nous parler et avoir des stratégies, avoir des points comment nous allons faire. Et puis si nous demandons que des gens puissent venir en aide à ceux qui sont au pays, c'est parce que ils en ont besoin, parce que des gens ont faim. Et les gens, enfin, on leur demande de sortir et même ils n'ont pas de l'eau à boire. Et le courant, des fois, ça, on les coupe et ils n'ont rien. C'est un peu dégueulasse que tout ça là, se passe au pays. Ça fait mal. Ça fait mal. Notre but, c'est, et du côté de finances, c'est aider ceux qui sont sur le terrain. Et je pense que c'est là notre but. Et aussi, merci. Pour ajouter, aujourd'hui, la diaspora togolaise dans le monde entier est estimée à 2 millions. Ne reste que chacun de nous contribue 1 dollar, donc ça fait 2 millions de dollars. Donc ça va laisser un impact au pays. Et on a des organisations de la défense des droits de l'homme qui s'occupent des blessés et au Togo. On a le mouvement Martin Luther King qui s'occupe des blessés, qui les prend quand on sait que le pouvoir est brutal. Il lance des gaz lacrymogènes, il tire des balles réelles dans la foule. Donc on s'occupe de ces populations et aussi pour acheter de l'eau et certains matériels de première nécessité à la foule. Donc c'est ça le but de cette quête financière. Donc si tout Togolais et même les amis du Togo sont la bienvenue pour contribuer financièrement pour aider le Togo. Merci. Aujourd'hui, c'est le Togo et demain, ce sera un autre pays. On a la République démocratique du Congo que tout le monde entier est en train de guetter aussi. Donc,
Nous allons commencer aujourd'hui par le Togo et nous allons récupérer toute l'Afrique. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer à M. Gerson avant de passer à cette dernière partie de notre émission d'aujourd'hui qui sera consacrée en langue nationale du Togo parce que notre plateau rétrospectif sur Tempo Afrique TV, nous voulons nous rassurer que ces messages passent et que ces messages soient suivis par tous les peuples togolais et que ces messages soient suivis par tous les amis du Togo. M. Gerson, vous avez quelque chose à dire? Je voudrais ajouter au côté financier, le support financier de la chose. Je vais aller un tout petit peu en arrière, pas en arrière, mais éclaircir un certain nombre de points. Le régime en place a un objectif, c'est d'affamer le Togolais, c'est de ruiner le Togolais, le réduire au néant pour que l'individu revienne à lui, pour quémander, pour devenir un mendiant. Et c'est ce qui se fait, c'est ce que l'on voit sur le territoire national. Il y a beaucoup d'individus au Togo qui vont, par exemple, à la marche, à une marche de soutien organisée par ce régime, tout juste parce qu'ils savent que s'ils vont là-bas, ils vont prendre au moins 2000 francs CFA qui font 4 dollars, ou du moins c'est 5000 francs CFA. Et quand vous voyez la scène qui se passe là-bas, c'est vraiment dégueulasse, c'est honteux, c'est inhumain. Les gens tombent à cause de 2000 francs qu'ils sont allés chercher pour marcher et pour soutenir le régime. Malgré ça, ils ne peuvent pas sortir 2% de la population togolaise. Alors c'est ici le moment de dire à tous ceux qui veulent un changement dans notre pays de ne pas trop penser à leur poche. Nous avons tous des problèmes dans les pays où nous vivons. Et nous savons que c'est nous, entre guillemets, qui soutenons le régime. Pourquoi je dis soutenons le régime? Parce que c'est nous qui soutenons nos familles. C'est pourquoi les familles ne sont pas dans la rue. Sinon, ils seraient peut-être partis depuis. Mais on ne va pas, à cause de ces diables, à cause de ces démons, affamer nos propres populations. Mais seulement, je lance un appel à tout Togolais épris de paix qui veut un changement dans notre pays, de ne pas lésiner sur les moyens s'il s'agit de supporter tous les groupes, l'opposition en marche pour notre liberté. Regardons un peu ce qui s'est passé l'autre jour à Sokodé. Notre milice, je n'appelle jamais ce que nous avons au Togo, les militaires ou une armée, et pour des raisons très, 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 très normal et logique, nous avons une milice qui n'a aucune valeur, aucune notion républicaine. Sous le prétexte que l'on va chercher des armes cachées à Sokodé, par exemple, sont en train de ramasser les motos, les engins de la population. Tout juste pour les appauvrir, parce qu'ils savent que c'est les motos là que les gens utilisent pour faire le taxi moto. Quand on prend ça, ils seront affamés. Je vous dis, nous avons en face de nous un régime ignoble, un régime qui n'a pas de cœur. À la place de leur cœur, ils ont un rocher qui est imperméable à l'eau. Merci. Merci beaucoup, M. Gerson. Merci. Nous arrivons à la deuxième partie, cette dernière partie de notre émission rétrospective de la semaine sur le Togo. Et à la marche organisée aujourd'hui par la communauté togolaise ici à Minneapolis aux États-Unis pour supporter ceux qui sont au Togo. Et pour ceux qui nous suivent sur notre Tempo Afrique TV, en direct sur Tempo Afrique TV, nous parlons aujourd'hui de cette réforme constitutionnelle au Togo. Nous parlons aujourd'hui de cette barbarie du régime togolais qui ne fait que tuer ses propres citoyens, qui ne fait que marginaliser ses propres citoyens, qui ne fait que arrêter arbitrairement ses propres citoyens pour tout simplement maintenir le président actuel toujours au pouvoir. Et nous allons passer à cette deuxième partie pour permettre à nos invités sur le plateau de parler encore en langue togolais, en fond et en large, et de faire comprendre au monde entier et de faire comprendre à ceux qui ne comprennent pas le français de quoi s'agit-il et de ce qu'ils doivent faire pour continuer de mettre pression sur ce régime qui ne fait qu'endeuiller nos familles, qui ne fait qu'augmenter la famine au Togo. Donc, je m'en vais tout droit à M. Kwame Viatiso. Vous allez prendre la dernière partie de ce débat et vous allez parler, vous tous ensemble, en langue togolais, et je vous demande tout simplement
de mettre les mots à la place qu'il faut pour mieux faire comprendre cette population togolaise, cette population qui ne sait pas à quel sens vouer. Que doit-il faire et que la lutte continue? Merci beaucoup. Monsieur Kwame Via Tiso, si vous voulez commencer. Merci, monsieur Diawara. Mianovi Diawara, Mido Akbeno. Mianovi Togoto, Ebea, Miwo, Zozoade, que Midibe, Mia supporté. Mianovi Kola, où les gens, les Zozoadibe, et Mian de Fort Vidio, les Azikbeadi, et les Bossou Soumea, Miakeke, Mizon, So University. Et avenir katakakaka mi be hele marion di et mi va y capitol et mi capitol la mi bon mi fun fun mi anon non eye et nous que jemiasi ami mi glenami eye mi gba so dare ne saint paul ve gouvernora ne ova domme loindia ora poe donc so soya mu important do yuero va en pobenipo mi wode nkuvi memyo donc a enabe mi mte mobiliser a me siamu va mi mobiliser a me gbogboto a boko se a kwa ova donc a mi créer groupe WhatsApp be ne amola do mea no do me gamea ya gba sugbono me ne mi la baba wonde gabu mecha mi ame ne a me siamu ba se e mi akeke mi a peta mi a pere mi a no viunchi ne mi a nya for vi bajo e nyi mi ave tarodinu ke 10000 zolea et ni mi va so constitution et mi ave du PC noga que mi togo keke d'accord là le 1992 mais wa so eva et for vi bajo mi po mi tro transition et mi tro d'accord mi go président vous que togo vio keke la nomme mi go et so yi di ma so gbe ne no vi Sylvestre et chara ba yindo jinami après kaka ewa be mia pe gododo le fia enyi nu me dede nu me kuku to le kemi ozozon egbe ata mia pe ozozon egbe ame taroji nu enye be mia do asiasim na ple mia tokyo le avon le apoda mia mi le titi pe kaka ehia be mia we ela be na mi va le popon mi le pobe ameyo le mia ploma editrino ke umen gomo semo editrino ale gbegbe be nke togovio le wabium kaka onya be nke bio la be wa ele tefene ne be awa menu ye vo editrino ale gbegbe emi va po be o eni ahia be nya me ko le duta nya pere wanti nya webere wa se mia ko bere yo nu ya yo le wa be ngbegble nto o me yo le kaka onya nyere be ngbegble yo le o vo wa mu ji gbalẹ tridi pe ke mi a fe gododo gbe a sire ke mi zoazon ni e mi defion du ko blibo kon ne a keke o se mi a kwa mi be mi a toklo na for vibere esu e ma su azon be ne joyi e ma su mi me le globe mo ni togoto o togoto ko me gbanyi mi ma ona ne pe nu a me de ke nto ma ona ne pe ne foro ka ke de ne gbe ne glo ne mi bere egbe are be ijo esu azon bere aha amobu kaneva amobu neva ne mavano esiaji e ma pela 90 fafa mesiame ne mi apo be eva do yi do me amesiame enu tikona mesiame amesiame be ane no fima ne nu ba tikona ni chanle be akua ne maku ti fima abele si e toa no mi apon keke ka baku e ba ku mi ame du amanyi fiofo me manyi be fiosam alo fiosam ni glona be ne to kwa au vieux là-bas, oh, bien que tu aies, mi Donald, il y a un bébé républicain, bien que tu aies, c'est une république. Alors, Fifi a America, pour America, et y a combien de ces semaines, mais la son canard, on a mis de 70 ans, on a de plus bladre, le bepon que Kemia. À moi, America, mon coq, au Sénat, on a bien yassin bé, et va t'y connaître, mais si on a la pauvre, et bepon, mais je sens que miwa. Depuis mi globe o nya to mi ma pada me on ti ke la pa mi ma na o to nya be na de nya to mi le Minnesota be de mi le sewa mo komi le mi le jime mi le alo dodo me klo mi yo mi ato wa mi apolo ke ya motora e go me ni bi en ti kona me si ame en ti kona me si ame kudo for kudo alo famille nya singbe avec cette minorité alo minorité mi agro mi mi adik be be nui e pe ki vire ko nu vire ko me me
nya amiko o le si gbe amon ma ton ko amon ma ton o pe le fi ma ki o poro soja renti ki soja gbe le mo gbe do no pa soja mo an ke le o wa o wo no ro o wo si gbe le ki mi afo je son gbe be o na be do ru wa wu e do la mo se mo wu ka ke wa me soja ko le wa ti do wu o so wu civil o civil o mi agbo be e tu me vi o le ke ko e do le wa wu tellement be e kaka e na be nya ko gbono wa ipo lati wo o mo te do eji do ji amo meji bere nu ya re o o be e sile ke mejo le do me wa be mi datu wa be wo la fi ke nu ya do ya re me gba yin to ka ko le mi an ko sene ne voir fi fi ami mi mi agbo be togo to ko le duta mi togo to re do afrika keke ni mi apo bele mi amo zo zo me gbe a mo ni togo to do de izon afrika keke o be no be nu ke le jojo le togo ya nemi nya o wa afrika keke jagban nemi nya o afrika keke lagban ye o pere mi anti ye mi da pa bere esu for esu for esu azon ape musa okay nemi so pe eke no vi pe fofo yo bro ma go be be go do do wa mi enyi mo popo ri na mi nya gbon ne amukura hoya be mi le wanti mi le se wa be be se se mais même mais même dans le fio et les considérois même si le fio ne be et d'aroa c'est déjà encore né à me pourater à honamia wa experimenti ni mia de fort pour be régime ajo même les citéro et pour repenti o mi citéro et ni repenti o mi be fort a be fik be le wane jo na mbeche ne go pas kodwa ne mu nyo mia de jo be et tu as quelque chose comme ça de même les citéro et noir et ni frequency au mais citéro du code point au système qu'il y a et même citéro entia mila avec aka à mes radio faut pour de système à radio né américain ne va ouais ne n'y a pas le que mais il doit aller mettre comparer né améra ouais et mon nom j'en ai rien à dire là et j'en ai vous verrai il peut le bénir que le coup amo o da faru takaka amiki waba o pa bele ke belia o ri efa nti afora kudo be be regime ne do courage e badasi pouvoir ami na merita ne va le wene nyo wa ne mia wea e chamia e nya ra bro nya ro e gbe yan thank you monsieur Gerson si vous avez quelque chose à dire dans la langue nationale à tous ceux qui sont en train de nous regarder sur Tempo Afrique TV aujourd'hui et à toute la population togolaise pour que la lutte puisse continuer vous avez l'antenne madakpena tojino la pole nous pola et madakpena radio allo djiji pour nous pomme dola o hamusa pakpele malik togo vi no vi nye nyonu ple togo vi no vi nye nutu ne mi le toji re mi va se nye oga bu bume ha mi ame yo le Minneapolis ple Saint Paul le Minnesota ve du kwa me mi se mi abe rubli mi abe zandi nono ndoku tuji nono agbagba de de o katan mi ma londomo ale mi oha mi a o duana troa mi ana mi anye be mi le me gbe na mi mi logbo egba vaire duplo la obe via sam mi de mi fo be se se nao aye magble na mi asebe mi le magbe na mi abale magble dongo ne be efia dudu ade kemo no anyi gban ya ji alo ki he ya te alo re ya te ikemo wunu po jo fara oji ambe duko yo ba be yo ba ho mi ha be français duko on to we croa mareke me dufiaroji wo to pe fia o ko nye luwi o dufiaroji la ke ye dukwa chogbere ka gbebe yo me ga oji mo a luwi 15 aro 14 maya o detura moduma wo wo ka on to ko vale togovi azonlia me to togo ka ka sere ye yi mi poji dudu me sia me nya be e de die temi anti eti konami amo gbolona de de temi anti mi maga ten chogo ta eji konoge mi ala aka mi apo jidudu eji dudu ha gbona pie fia dudu ade kemala ni gba ajili cho mavo ide mavo mejo po k
peya anaboma ponupona meyo miaji dumu wonto meyo miaji dumu ye nyasingbe kple ameyo forenti o chopo podo du kote mda nyenye be fia mi le fifia menye bo waga ka tauna me ado avonji na me acho tura me di acho pura me di benye ne me le miate pea ele ma de kukune du koya mi ga na mi mon popo be mi jawaba mi den pedi mi ade kukune du kwa nu eji me du kwa la mi chone du kwa e du amenye mi ato wo nye ne mi chone ane du kwa ya akonu ble na mi vone mi etrito ye mi eleji mi mi a wum mi mi a pom mi mi a tugum da nyigba ne kakavale gawame ne vadoa fetuli na mi ya menye ndu wo nye wa gbolobo wo odoji kapo na mi o mi jo fiye mi we serore enyo du edu onye menye mi ato mi me fle togo obe mi ple va sera fiya de du kwa be menyo na yo mi o to mi me pe be e mi o gbolo rpt uni la mi me pa mo ni dogo na mi a to gbo mi na o ga mi fla wu na o do mi me pa mo ni dogo a ke ya me yo be onye opposition a ro be yo titre ni a chinye du kwa yo dogo mi me pa mo ni o onye a mi atanzon lenge kere kama le duo kata ma le togwa mi mete wago kero kumi alom ocho lume ayira afiare agalom moke ayira afi kumi wona ayi opposition anzon duresia ma mareke ma ko hu kwa mareke o ta no vinye jidula egbe jidula va dempe dogo ne jila o le mi asia jila o mi pomponi mi afa vio ne sro o le mi asia mi pomponi mi asro o ne viole mi asia vi mi pour fini a jilao beno be republique ya menya mere ka benya onyo edua ne trono wa nyone amesiam sole sin case va kore a flau amare ke matole mo chole padapi ide keke moye mono le eta de mutome edua ne amesiam ne po bodeme mesia menevu mesia menezon badagba ro kovito mia onye soja o tamaka bume mielo ne mia me chokura moji bufu no fosro aro view aro de tu view anyonawa ne manyonawa ke magawe o atamba jore ji ocho ne metro jime egba o apena mi. Merci beaucoup. Monsieur Yves-Luc, vous avez le dernier mot ici dans cette émission rétrospective de la semaine sur le Togo. Vous allez regarder droit dans ces caméras et vous allez dire ce que vous avez à dire à vos parents, à nos mères, ceux qui ne comprennent pas la langue française, ceux qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Parce que pendant que nous sommes ici, nous sommes en train de parler de cette situation, il y a d'autres qui sont au Togo, qui sont du côté du parti du pouvoir, qui sont en train d'envenimer la situation, qui ne sont pas en train de passer la bonne information. Donc, regardez droit dans ces caméras, dans cette émission rétrospective, spéciale édition de la semaine sur Tempo Afrique TV, et dites ce que vous avez à dire à nos parents dans la langue nationale, s'il vous plaît. Miato, que les Togo, kodo miato que les America, allo France, Benjamin, Belgique, Allemagne, Canada, à Philippe, que mille, et mille, c'est bien quoi, et bea. Mi agbon ya dinami for kudo ye ben ti nuwa wa me de pe mu to na nya o gberegere o o ngba gbon ya dinami ne mi agba ko eji seke o mi ya keji mi toa mi anu ye ka ne bajo o ngba trova ngbedo ni lagba gbon ya dinami ba to be lagba na zin keji ne mi anu o gbere mi ma nu o mi anu avon aji ka ka ne bajo ye mi pobe jojobe ye be jojobe game mi le ya ye mi le bioso mi asibe e juno no de ka o ne na mi siame me mi anno mi o de ka le mi ya me a me le pe un gba tukara ku no via o a me ke mi o tukara kwa po yin for kudo a me ke le ntiwa ye mi le bia soso ja o gbobe o ngba no do fun ya na
Togo du coin Keo. Mine bien ce sort, Jarabé, son bobé, Pompona, Wasson. Non, non, Pompona et son soja. Ben baou, non via Keo, un baou, Togo via Keo. Et son mec Béa, nous que les Jokuda Moyo, Poi, prison, les Yovodea, et la Jodowadi. Mi dakpena mi djenko, mi dakpena togo vi desiare, e mi le tombe, mi le mianti, mi ma dasi le mianti, bere bere, mi akwa ji sebe, mi dasi le mianti, nou de kipe kele ya, mi anno kadudo men kudomi, ye, nou ke mi le ya, e la yinko, ye jirugwa, la nya blode, vio to, godo! Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'était l'émission rétrospective de la semaine avec Moussa Diawara, spéciale édition sur le Togo, sur la situation qui prévaut au Togo. Et avant de laisser partir nos invités, nous allons leur demander une fois, une dernière fois, si vous avez dans le studio B, je vois M. Kamevi Atiso qui a peut-être un dernier mot à dire et qui va dire son dernier mot. Et nous allons vous remercier pour avoir regardé cette rétrospective spéciale sur le Togo. Et nous allons vous demander de rester, de resserrer vos rangs, de ne pas se décourager parce que ce qui vient de commencer au Togo, c'est une épidémie qui vient de commencer partout un peu en Afrique de l'Ouest où nous voyons ces réformes constitutionnelles, où nous voyons la jeunesse consciente qui s'est enfin réveillée et pour dire non. Non à ces régimes qui sont là depuis l'Antiquité et non à ces régimes qui sont là en train de boire le sang des Africains et non à ces régimes qui sont là pas pour la population, pas pour les citoyens, mais plutôt pour leurs intérêts personnels et qui comptent s'éterniser au pouvoir pour toujours. Monsieur Kwame Viatiso, si vous avez un dernier mot à ajouter, je vous donne la parole. Monsieur Moussa Akpeno, Moudibé Mado, Mouyahouya le Lamene, et Novini Togouton, et Mado Mpoudina Mibé, sous gakeme mi le bio fort benane wo réforme constitutionnelle on a mis via edidi sous depuis 2010 et mi le bio depuis 2012 et mi le bio fort benane wo réforme constitutionnelle nami egbe et le tromito et le tromito me voa ni sont le 19 août que mi demandia et adika soue vovon bua et yi télé di be gobe yo la réforme donc a ne no vini togouto mite ingbodoya ela blomide ntikaka ela gbanani entia leke vovon doya ndibe gba to yeji nene so wunene e to ne subo e ne vovon doya entola cité ela jo donc a meto mi po vitu quick mi wa asra e nuke mi le bioso kakakaka e pe amandrea un le lo voa ke mi cité mi demodia e be la wa donc a mi ngbale ji won e ke mi le jia et il y a un jour, 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 il. Merci, merci beaucoup. Madame, mesdames et messieurs, c'était rétrospective de la semaine spéciale édition sur le Togo et sur les récents événements qui se sont passés au Togo. Nous vous demandons de rester branchés sur notre chaîne de télévision Tempo Afrique TV. Pour ma part, je suis Moussa Diawara, votre fidèle serviteur de l'émission rétrospective de la semaine. Nous nous retrouverons encore la semaine prochaine. Je vous dis bonsoir et passez une excellente fin de week-end. Au revoir.